Vous m'avez prise. Ah, il faut pas quitter. J'ai dit, c'est... Bon, on verra. On va vivre le jour le jour. Très bien. Messieurs, dames, d'ici, on voit le château. Il y aura notamment Il Kirchgrafenstaden. Avec un chapeau de la coquille. Saint Jean avec le calice, Saint André avec la croix de Saint André, Saint Paul avec l'épée, etc. C'est une des très très belles maisons de Rigny, où nous sommes. Alors dans le détail... Maintenant, ça va être de l'avaler la tête la première et par le bout du bec. Là que le bout du bec est crochu et coupant, le côté du bec se décline membrane. Et là, je pense qu'en insistant un petit peu, ça devrait quand même rentrer. Assez dur, hein. Comme affiché, il va rentrer à l'intérieur de sa mâchoire qui est musclée. Et c'est une double base qui découpe le poisson en quelques secondes. Une morsure de loup, je vous garantis, deux couches de poils. Couche de poil imperméable qui la protège du froid et de l'eau, et une couche de poil non imperméable qui va lui également empêcher la nuit, étant donné qu'elle est devenue nocturne, à force d'être en charge de gouvernail. Étant dépourvu de queue ou presque, tout oiseau pour voler a besoin d'un gouvernail. Eux, ils se servent de leur pâte. Quand ils sont sous l'eau depuis un certain temps, on voit très peu de la laisser derrière eux,
avec un joli plongeon. Allez, dormeur, dépêche-toi, tout le monde te regarde. Oui, voilà. Tu peux y aller. C'est quand tu veux. Hein. Allez, un, deux, et trois. Il arrive. Mais si sur la deux de la mer, certains s'y prennent suffisamment d'élan avec un joli bois flamand, comme ça, les deux derrière ils prennent la marche et puis ils démarrent plus de mètres. Nous, nos codes de phrase, on tente du concours. Allez, dormeur, on pousse les jambes. Oui, c'est bon, on les appuyer. Si elle fait le tour, cette notarice, elle aussi, pour aller voir du côté du vivier. Elle sait très bien, elle aussi, où ça se passe. On lui mettra d'ailleurs plusieurs fois des poissons. Elle attrapera, elle aussi, la tête la première, pour avoir les arêtes et les écailles dans le bon sens. Elle a... Il est plein, là.